Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des meilleures astuces iPhone et je vais vous présenter aujourd'hui pas moins de 6 astuces qui sont malheureusement très peu connues. Et on va commencer directement avec la première astuce que vous avez peut-être déjà vue si vous me suivez sur TikTok et Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur mon compte Instagram, je vous conseille de le faire parce qu'il y a un certain nombre de concours qui vont être mis en place qui vont vous permettre de gagner pas mal de choses. Alors si c'est pas encore fait, c'est juste là. Et donc la première astuce, elle va vous permettre de tout simplement verrouiller votre téléphone au bout d'un certain laps de temps. C'est une chose qui peut être pas mal utile si vous prêtez votre téléphone à quelqu'un et que par exemple, vous ne souhaitez que lui prêter que pour 2 minutes, chrono en main. Eh bien, il est possible de faire en sorte que l'application qui est utilisée se quitte et que le téléphone se verrouille automatiquement au bout de ce laps de temps. Et pour ce faire, c'est très simple, on se rend tout simplement dans l'application Horloge, puis en bas dans l'onglet Minuteur. On va pouvoir paramétrer ici le temps au bout duquel on veut que ça se verrouille. Donc pour l'exemple, on va prendre 2 minutes. Et au niveau de l'onglet du choix de la sonnerie, on va cliquer, puis aller tout en bas et choisir Arrêter la lecture. Une fois que c'est fait, on fait Choisir et on peut démarrer le minuteur. Et voilà, la personne peut utiliser le téléphone tout à fait normalement pour naviguer dessus. Et une fois le laps de temps dépassé, le téléphone va automatiquement se verrouiller. Il y a très certainement dans votre entourage des contacts que vous contactez plus fréquemment que d'autres. Et il peut être intéressant de mettre directement depuis l'écran d'accueil du téléphone un raccourci, soit pour l'appeler, soit pour lancer un appel FaceTime, ou bien envoyer un message. Et bien en fait c'est très simplement faisable directement depuis l'iPhone avec l'application Raccourci. On va donc se rendre dans l'app Raccourci, puis sur le plus pour ajouter un nouveau raccourci, et on va ici ajouter une nouvelle action. Suivant ce que vous voulez faire, depuis la recherche, vous allez pouvoir soit faire « Appel » pour lancer directement un appel auprès de cette personne, ou bien « FaceTime », ou alors tout simplement entrer « Message » pour envoyer un message. On peut très bien utiliser aussi « FaceTime Audio » comme je vais le faire ici pour l'exemple. Je vais donc aller dans « FaceTime », je vais changer ici « FaceTime » pour « FaceTime Audio », et puis appeler ici le contact de mon choix. Une fois que c'est choisi, j'appuie sur OK et je vais pouvoir appuyer sur le bouton de partage tout en bas. Je vais mettre sur l'écran d'accueil. Je vais pouvoir ici choisir un nom et modifier l'icône. Ici par exemple, je vais choisir une photo que j'ai dans ma galerie pour illustrer. Et je peux maintenant appuyer sur suivant. Voilà. J'ai directement une icône qui s'est rajoutée, que je peux placer où je veux. Et quand je vais appuyer dessus, ça va automatiquement lancer l'appel. Et voilà. Et comme je vous l'ai dit, ça fonctionne aussi très bien pour les appels classiques ou bien les messages. Si vous êtes en train d'écrire du texte, que ce soit dans un mail, un message ou une note et que vous avez fait une erreur, il peut être parfois un petit peu compliqué de revenir à un endroit précis ou bien de sélectionner le texte approprié pour pouvoir l'effacer et le rectifier. Et bien il y a en fait plusieurs petites manipulations qui peuvent être intéressantes d'avoir en tête pour le moment venu. Par exemple, et celle-là je pense que vous la connaissez déjà, si vous voulez retourner à un endroit précis du texte, vous pouvez appuyer longuement sur la touche espace et puis déplacer le curseur ici, comme si c'était une souris d'ordinateur. Si vous voulez sélectionner le dernier mot, il suffit d'appuyer deux fois n'importe où sur l'écran. Et si on veut sélectionner toute la phrase, on peut le faire pareil en appuyant trois fois. Vous pouvez ainsi effacer plus rapidement, et si vous avez effacé par erreur, il suffit tout simplement de secouer et d'appuyer sur oui. Si vous avez des photos dans l'application photo de votre iPhone et que vous souhaitez les masquer, il y a une possibilité de le faire directement depuis l'iPhone, mais cette fonctionnalité est un petit peu limitée. Effectivement, on peut se rendre dans l'application photo, puis sélectionner les photos qu'on veut masquer, appuyer sur le bouton ici de partage, puis cliquer sur masquer. À ce moment-là, les photos vont disparaître, mais quelqu'un qui aurait accès à votre téléphone peut tout simplement se rendre dans l'onglet masquer et retrouver les photos. Il n'y a aucune protection et aucun code. Mais ça, on peut y remédier avec une petite manipulation. On va se rendre exactement de la même manière dans l'application photo, puis les sélectionner, et cliquer toujours sur le bouton de partage. La seule différence, c'est qu'ici, on va choisir l'application notes. On peut très bien créer une nouvelle note et faire enregistrer. Ça aura pour effet d'ajouter les photos directement dans une nouvelle note sur iPhone. On peut donc les voir ici et les ouvrir tout à fait normalement.
Mais la particularité, c'est qu'il est possible de mettre un code dans une note. Et pour ce faire, c'est très simple. On va cliquer tout simplement sur les trois petits points juste au-dessus de l'écran. Puis sur, ici, l'icône du cadenas. Ça va nous proposer de choisir un code et éventuellement de pouvoir le déverrouiller avec Face ID. Une fois qu'on a tout choisi, on fait OK. Et voilà, un petit cadenas va apparaître tout en haut de la note. Il suffit d'appuyer dessus pour la verrouiller. Et à partir de maintenant, n'importe qui aurait accès à notre téléphone et souhaiterait se rendre dans les notes pour voir les photos enregistrées aurait besoin du code ou de la reconnaissance faciale pour le déverrouiller. Et si je me mets en face, j'ai de nouveau accès à mes photos. Attention, étant donné que les photos ont été dupliquées vers l'application Notes, il est bien important en revanche de retourner dans l'application photo pour les sélectionner une dernière fois et les supprimer. Et on pensera bien entendu, à vider la corbeille. Voilà, maintenant les photos ne sont plus là, mais elles sont bien disponibles, toujours dans une note qui est sécurisée. Alors on vient de voir comment verrouiller l'accès aux photos avec un code, mais qu'est-ce qu'il en serait maintenant si on souhaiterait verrouiller tout simplement le téléphone sur une seule application, de façon à ce que celle-ci ne puisse pas être quittée? Alors ça peut être super utile si par exemple on prête le téléphone à un enfant pour qu'il regarde un dessin animé ou qu'il joue à un jeu, ou bien aussi dans le cadre professionnel si on a par exemple un iPad qui affiche le menu dans un restaurant, et puis qu'on ne souhaite pas que les clients puissent quitter l'application pour retourner sur d'autres applications. Eh bien, je vais vous montrer comment on peut le faire directement depuis l'iPhone sans aucune autre application, de façon manuelle, mais aussi pour l'automatiser dès qu'on lance l'application. Alors tout d'abord, pour le faire manuellement, on va se rendre dans les réglages du téléphone, puis accessibilité et accès guidé. On va tout simplement activer l'accès guidé. Et maintenant, si on se rend dans une application et qu'on souhaite la verrouiller, il suffit tout simplement d'appuyer 3 fois sur le bouton pour quitter les applications si vous avez un téléphone avec un bouton, ou bien 3 fois sur le bouton pour verrouiller le téléphone. Une fois que c'est fait, vous arrivez sur ce menu-là, et il suffit d'appuyer sur « Démarrer » et de choisir un code de verrouillage. À partir de maintenant, je peux utiliser l'application tout à fait correctement, mais je ne peux plus quitter l'application, ni même éteindre le téléphone. Pour pouvoir sortir de là, il faut que je rappuie 3 fois de la même manière, et que je saisisse le code, et que je mette fin à l'accès guidé. À savoir que l'accès guidé est paramétrable et qu'on peut par exemple dessiner des zones sur lesquelles on ne veut pas que les personnes puissent cliquer, comme par exemple ici pour bloquer l'accès au bouton. Voilà, de cette manière par exemple ici, je ne pourrais pas cliquer ici pour changer l'adresse du site internet, mais je pourrais toujours continuer à utiliser ce site internet tout à fait normalement. Alors on vient de voir comment le faire manuellement et maintenant on va voir comment l'automatiser pour que ça se lance automatiquement lorsqu'on lance pour l'exemple Safari. On va ouvrir l'application raccourci, puis se rendre dans l'onglet automatisation et cliquer sur créer une automatisation perso. Ici, on va pouvoir choisir app, choisir l'application. Donc dans l'exemple, on choisit Safari et on va demander à ce que l'accès guidé s'active lorsque l'application est ouverte. On fait suivant. On va donc ajouter l'action qui est accès guidé. Voilà, juste ici. Démarrer accès guidé. On peut maintenant faire suivant. On pense bien à désactiver demander avant d'exécuter, ne pas demander et OK. Voilà. À partir de maintenant, on peut utiliser toutes les autres applications tout à fait normalement, mais lorsqu'on va lancer Safari, l'accès guidé va s'activer automatiquement et il faudra donc appuyer 3 fois pour le désactiver avec le code. Petite précision, si vous voulez désactiver cette fonctionnalité, il suffit de se rendre de nouveau dans les raccourcis, automatisation, et tout simplement supprimer ce raccourci. Il y a certaines applications qu'on veut utiliser avec du son, et d'autres applications sur lesquelles on ne veut pas que le volume soit activé. Eh bien sachez qu'encore une fois, on va pouvoir automatiser ça pour choisir le volume adapté à chacune des applications sur l'iPhone. Et de nouveau, pour toute automatisation, ça se passe dans l'application raccourci. Ici par exemple, j'ai mon volume qui est au minimum. Si je lance YouTube, je vais être obligé manuellement de remonter le volume pour pouvoir écouter ma vidéo. Eh bien, je me rends donc dans l'application raccourci, puis automatisation, créer une automatisation perso. Comme tout à l'heure, on va utiliser l'application comme déclencheur, le moment où elle est ouverte, et on va donc choisir pour cet exemple l'application YouTube. On fait OK. Suivant, et l'action ici va être liée au volume. Donc on va choisir volume,
et régler le volume. Ici, on peut avoir un curseur qui va nous demander le volume. Pour l'exemple, je vais prendre environ 65%. Voilà, suivant. On décoche bien de nouveau « Demander avant d'exécuter », « Ne pas demander » et « OK ». Voilà, j'ai toujours mon volume qui est à 0%, mais si je lance YouTube, on voit qu'automatiquement, le volume va augmenter. Et on pourrait même aller un petit peu plus loin en demandant à ce que le volume se baisse automatiquement lorsqu'on requitte l'application. Donc on referait la même manipulation. Sauf qu'ici, on va cliquer sur « Lorsque l'application est fermée uniquement », suivant, toujours volume, et cette fois-ci, le volume reviendra à 0. Ne pas demander avant d'exécuter, et OK. Voilà. Lorsque je lance YouTube, le volume se monte. Je peux utiliser YouTube avec le volume comme je l'ai choisi, et dès que je vais quitter, le volume va automatiquement redescendre. Et voilà pour ce nouvel épisode des meilleures astuces iPhone. N'hésitez pas à me dire dans la partie commentaires si vous connaissiez déjà ces astuces, ça m'intéresse. N'oubliez pas non plus de laisser un like, de vous abonner et d'activer toutes les notifications afin de pouvoir soutenir la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.